Je vous salue tous ce matin dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que chacun de vous va bien ce matin. C'est la fête, comme a dit notre pasteur. Et quand il y a la fête, il y a des cris de joie. Quand il y a la fête, il y a des alléluia. Quand il y a la fête, il y a des agitations. On doit agiter les mouchoirs. Alléluia. Amen. C'est la fête. Amen. Amen. Alors nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Bon, nous allons prendre dans deux livres de l'Ancien Testament. Le premier livre, c'est Exode. Et le deuxième livre, c'est le livre de Josué. Nous allons commencer avec Exode chapitre 3, verset 7. Et Josué chapitre 5, verset 13. Vous êtes? La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Bongo Yahweh alobaki ete. Ngai nasili komona monyoko na bato na ngai na Egypto. Pe na yoki kolela na bango na tina na bakapita na bango. Na yebi bolosi na bango. Et pour les faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Pharisiens, les Éviens et les Jébusiens. Pe na kiti po na ko bikisa bango na maboko na ba Egypto pe po ete kolongola bango na po na kolongola bango na mokili yango pe ko butisa bango na mokili molamu mokili malamu pe monene mokili moleki na mabele pe na mafuta na nzoi epai na esika na bakanana pe baiti pe baamola pe ba voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Talape kolela na bato na Israël et komi epai na ngai pe na moni monyoko mozali ba Egypto konyoko la bango yaka na kotinda yo epai na falo ete abimisa bato na ngai bana babali na Isalele na Egypto. Josué chapitre 5 verset 13. Yosua mukapona. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Wana ezalaki Yosua penepene na Yeliko atomboli miso pe atalaki pe tala mobali atelemaki liboso na ye na mupanga polele na loboko na ye. Yosua akendeki epai na ye pe alobaki na ye ete ozali na biso elongo to na bayini na biso. Ye alobaki ete te nakomi lokola mokonzi na basoda na Yahweh. Yosua akweyaki na elongi na ye na se pe asambelaki pe alobaki ete kolo na ngai alakeli mombo na ye nini. Mokonzi na basoda na Yawe alobaki na Yosua ete longola mapapa na makolo na yo po ete esika ezali yo kotelema ezali bule. Yosua asalaki boye. Dieu notre Père Céleste, nous abandonnons à toi. Nous sommes dans un moment
Glorieux Seigneur. Parce que c'est le jour où tu as mis un saut d'appropriation à cette église. Et nous avons vu tout ce que tu as fait durant tout ce temps. Et personne ne peut le contester. Et nous croyons que si tu as voulu que nous soyons scellés, c'est que tu es capable de nous amener dans l'enlèvement. Alors bénis la parole ce matin. Bénis ton serviteur, le révérend Baruti. Et pour tout ce que toi, Dieu, tu ne cesses de faire pour lui. Et soutiens notre réunion de ce matin. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je salue la présence du pasteur Charles. Je le vois là-bas. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler sur la descente de l'ange puissant. La descente de l'ange puissant. Et nous devons poser une question. Pourquoi il descend? Qu'est-ce qui lui amène à descendre? Dieu ne fait rien pour rien. Et Dieu ne descendra pas au milieu de nous pour venir seulement comme ça. Si Dieu a descendu de descendre, c'est qu'il a un but. Si Dieu prend l'initiation, l'initiative de descendre au milieu de son peuple, c'est qu'il veut atteindre un but. C'est ce qui nous ramène directement au temps de l'esclavage des enfants d'Israël. Dieu avait dit à Abraham, notre père, que ta postérité irait dans un pays étranger. Ils seront asservis, ils seront dominés pendant 400 ans. Mais je les ferai sortir de ce lieu de l'esclavage pour revenir dans ce pays que moi, l'Éternel, je vous donne. Et vous allez remarquer que depuis ce temps-là, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Abraham regardait à son état, il ne voyait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'espoir pour Abraham parce qu'il était déjà devenu vieux. Et Dieu ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Dieu regarde à sa parole et à sa promesse. Pour Dieu, peu importe l'âge d'Abraham, un jour il aura un enfant. Et toi aussi qui es ici présent, tu peux avoir le même souci que celui d'Abraham. Notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Dieu a confondu l'armée, a confondu les militaires au travers de ces grands hommes qui ont marché sur la terre. Dieu a confondu les médecins. Il n'y a personne sur la terre. Il ne peut dire que Dieu n'a pas de supériorité sur lui. Alors pendant qu'Abraham était désespéré, Dieu est descendu et Dieu lui a dit: tu auras une postérité. Chose impossible aux yeux des hommes. Mais celui qui a donné la promesse, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Et la Bible nous montre que plus tard, Sarah a conçu et Sarah a eu un enfant. Bien qu'elle était vieille et son mari était vieux, l'enfant est venu selon la parole de l'Éternel. Mais moi j'ai toujours cru que Dieu ne change pas. Si Dieu a rendu l'impossible possible à l'époque, et s'il est le même Dieu qui n'a pas changé, il est capable de le faire ce matin. Parce que nous sommes venus ici pour rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. Et il doit nous donner les instructions. Parce que nous sommes là les combat. Nous sommes dominés par l'ennemi. Mais lorsque lui descend, c'est pour donner la solution. Il ne descend pas pour endurcir les problèmes. Il descend pour donner la solution à tout problème. Il descend pour rendre impossible possible. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut dire un amen?
Et lorsque Abraham a eu cette postérité, et il a eu au travers de Sarah cette postérité que Dieu avait promis, Isaac est venu au monde, Isaac aussi a mis au monde les enfants, et la postérité d'Abraham a grandi. Comme Dieu avait dit, je les irai en captivité, mais je les ferai sortir par ma main puissante. Dieu tient toujours sa parole. Ce que l'Éternel avait dit est accompli. Israël est rentré en captivité. Et nous voyons que Pharaon a dominé sur Israël. Pharaon a maltraité Israël. Et Pharaon ne pensait pas qu'Israël avait un Dieu. Notre Dieu est silencieux, mais notre Dieu est puissant. Lorsque Dieu décide de parler, personne ne peut l'arrêter. Même si vous mettez des barrières, il est capable de défoncer les barrières. Il est capable de rentrer là où les gens ne peuvent pas rentrer. Alors Dieu a regardé son programme. Pendant que Pharaon continuait de maltraiter Israël, mais Dieu surveillait l'heure. Il y a chaque chose pour chaque temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être malade. Il y a un temps pour dominer. Il y a un temps pour être célibataire. Il y a un temps où les parents doivent dominer sur toi. Il y a aussi un temps où aucune maladie ne peut régner sur toi. Il y a aussi un temps que la stérilité ne peut pas dominer sur toi. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu puissant. Voulez-vous qu'il descende ce matin? Ça dépend de votre foi. D'ailleurs, il est déjà ici. Parce qu'il a dit deux ou trois qui sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Je crois qu'il est déjà ici. Je crois qu'il est déjà descendu. Alléluia. Amen. Dieu surveillait toutes choses. Pharaon était dans l'ignorance. Pharaon ne savait pas, ne connaissait pas le programme de Dieu. Mais Dieu fait ces choses en son temps. Est-ce que l'église peut dire amen? Pendant que Pharaon maltraitait les enfants d'Israël, regardez comment Dieu est puissant. Dieu prend le libérateur. Il amène dans la maison de Pharaon. Pendant que Pharaon cherchait le libérateur ailleurs, le libérateur mangeait sur sa table. Le libérateur dormait dans sa maison. Dieu avec le Pharaon. Pour que Pharaon ne reconnaisse pas que c'est lui qui le nourrit là. C'est celui qui a été mandaté pour la libération. Oh, je vais entendre vos alléluia. Si vous êtes vivant, dites amen. Amen. Remarquez, frère, le libérateur Mosikoli dans la maison de Pharaon, le libérateur Mosikoli sur la table de Pharaon. Parce qu'avant de détruire quelque chose, avant de détruire ton ennemi, tu dois le connaître. Et Pharaon pensait que cet enfant était de sa race, alors qu'il était de la postérité des gens que lui maltraitait. Lorsque le temps arriva, Dieu commence à compliquer les choses. Dieu commence à mener le conflit entre Moïse et les Égyptiens. Frère Balaam dit parce que le temps était là.
Parce que le moment est arrivé où Dieu doit élever Moïse, où Dieu doit agiter Moïse. Est-ce que vous savez que Moïse était la gerbe agitée pour Israël? Je vais entendre votre alléluia. Alors Dieu se sert de Moïse. Dieu l'éloigne de Pharaon. Et frère Balaam a dit, pendant que Moïse était en train de perdre le troupeau, ce n'était pas son travail, c'était juste un parcours pour atteindre le but. Dieu peut t'amener quelque part pour atteindre le but. Dieu peut t'amener quelque part pour t'élever. Moïse est en train de perdre le troupeau. Bou, 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 bou. Mbalamoko, mbalamoko. Bou, 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 bou. Bou, 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 bou. Alléluia. Amen. William Branham dit, William Branham a dit, Moïse a été instruit dans la sagesse de l'Égypte. Moïse a beaucoup la main qui n'a pas eu l'Égypte. Mais il fallait que Dieu lui amène dans une autre école. Dieu doit lui enlever de l'école des hommes pour l'amener dans l'école du surnaturel. Pendant que Moïse arrive, il voit un grand buisson ardent, quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. C'était le surnaturel qui vient de descendre. Dieu vient de descendre. Lorsque Moïse l'a vu, Frère Balaam a dit, Moïse commençait à s'approcher pour faire une analyse scientifique ou chimique de ce qu'il voyait. Pendant qu'il avait commencé une analyse chimique, la voix est sortie du buisson. Dans ce buisson, dans ce feu, dans cette colonne de feu, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un dedans. Et la personne connaît même le nom de Moïse. Alors que Moïse était dans le désert, la voix lui parle. Moïse. 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 Il dit, mais ça, c'est pas possible. Ah, ouais, ça, qui me parle? Comment quelqu'un peut me parler du feu alors que le feu brille? Et il y a quelqu'un dans le feu qui me parle. Il dit, me voici, Seigneur. Dieu commence maintenant à parler à son serviteur. Ôte tes chaussures. Parce que le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte. C'est le premier devoir de Moïse. Enlever les chaussures, en d'autres termes, se rabaisser, enlever l'orgueil, descendre. Moïse enleva les chaussures et Dieu lui dit, alléluia, amen. Je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu de ton père, alléluia, amen. Je suis descendu maintenant. Je suis descendu maintenant. Je vais vous révéler le pourquoi que je suis descendu. Je ne descends pas pour descendre, mais je descends quand il y a un problème. J'ai entendu. Dieu a les oreilles. Amen. J'ai vu. J'ai entendu. Nayoki. J'ai vu. Namoni. Dieu a les yeux. Zambazali na miso. Je vais entendre les amens ici. J'ai entendu. Nayoki. J'ai vu. Namoni. Je suis descendu. Nakiti. Pour les délivrer. Mon peuple. Libota langai. De près de l'Égypte. Na bombo l'Égypte. Et je crois ce matin que ce même Dieu qui a entendu la souffrance des enfants d'Israël et qui est descendu pour donner la solution a entendu des souffrances. Et ce matin, il est descendu pour donner la solution à tes problèmes. Maintenant,
nous allons rentrer dans quelque chose de glissant. Et si vous remarquez que ça vous choque, mettez la ceinture de sécurité. Je vais entendre votre amen. Beka, Beka Tabernacle. Beka Tabernacle. Je crois que nous sommes une église qui a grandi. Et Frère Branham dit, nous devons nager dans les grandes choses. Et aucune citation ne doit nous faire peur. Si c'est Branham qui a dit, nous disons Amen. Parce que c'est lui la bouche autorisée. Frère Branham a dit, dans la bouche du troisième exode, prêchez le dimanche 30 juin 63. Au paragraphe 24. William Branham dit, avez-vous remarqué? Bino, bomoni. Avez-vous remarqué? Possible comment? Dieu dit, je suis descendu. J'ai entendu. J'ai vu. Je suis descendu pour le délivrer. Et Frère Branham continue. Avez-vous remarqué? Je suis descendu. Mais je t'enverrai. Je suis descendu. Mais je t'enverrai. Frère, dans le livre de Genèse, Dieu a dit, je les ferai sortir moi-même. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va accomplir la chose. Et il est descendu pour délivrer le peuple. Il est descendu pour libérer le peuple. Mais Dieu change le langage. Dieu dit, je t'enverrai. Et quand Dieu dit, je t'enverrai, cela ne veut pas dire que Dieu doit rester. Et il envoie seulement Moïse. Non. William Branham a dit, est-ce que vous aimez le prophète? Frère Branham a dit, avez-vous remarqué? Je suis descendu, mais je t'enverrai. Le prophète continue. Dieu, allant sous la forme d'un homme. Amen. Amen. J'ai entendu. J'ai vu. Je suis descendu pour les libérer, pour les délivrer. Dieu est descendu sous la forme de la colonne de fer pour aller libérer Israël. Mais Dieu a trouvé un homme. Dieu a trouvé un homme. Et l'homme là, c'est Moïse. Et Frère Branham a dit, Dieu est entré dans Moïse. Amen. Je vais entendre votre main. Pourquoi? Parce que Satan était en Pharaon. Dieu entre dans Moïse. Pharaon était le prophète de Satan. Moïse était le prophète de Dieu. Dans le combat qui s'est passé en Égypte, c'est seulement Dieu contre Satan. Mais Dieu a pris un représentant dans son côté. Et le diable aussi a pris un représentant de son côté. Les deux s'affrontent. Et il y aura toujours un vainqueur. Dieu allant en Égypte sous la forme d'un homme. En d'autres termes, Dieu a habillé Moïse. Et Frère Branham dit, chaque mouvement de Moïse, ça représentait Dieu. Même quand Moïse fait ça, c'est Dieu. Quand Moïse fait ça, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut entendre les Alléluia? Est-ce qu'on peut entendre les amen? C'est pourquoi tu as dit, je suis descendu pour les délivrer.
Mais pour délivrer, Dieu était obligé de prendre un corps. Et frère Branham a dit, il dit c'était Dieu caché dans la simplicité au travers d'un fermier. Mais ce corps est devenu le corps dans lequel Dieu est entré pour agir. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? C'est ce que Dieu fait avec Baruti. Frère, Bandeko, bien aimé frère, Bandeko, Dieu n'a jamais changé sa manière d'affaire. Et frère Branham dit, au travers de tous les âges, l'homme a toujours été un agent de Dieu. C'est ce que Dieu fait avec le pasteur. Frère, Ndeko, Moïse, Mose, ne peut rien faire. Écoutez le frère Branham. Yokan de Branham. William Branham dit dans la brochure la commission de Moïse. Nalitea et Tinda et Mose. Paragraphe 20, frère Branham dit. Et non sans conducteur. Nous sommes incapables de nous en sortir. Et de Tolonga. Et Christ est notre conducteur. Et, Christ mon et Dieu était le conducteur de Moïse. Quoi qu'il envoya un ange pour le conduire, j'envoie mon ange devant toi pour te garder en chemin et t'amener à l'endroit que j'ai promis. L'ange devait être son conducteur. Frère Branham dit, c'est l'ange qui accomplissait les miracles. Moïse n'a accompli aucun miracle. Frère Branham dit, c'est l'ange de Dieu en Moïse qui accomplissait les miracles. Moi je n'ai pas quatre la mose dans ali kokoki sabika moi. Moïse, Mose n'a accompli aucun miracle. À ça la taille comme il s'est dit mon côté. Frère Branham dit, demain malobi, c'est l'ange de Dieu. Ezali moi je n'en jambe ndé. En Moïse, quatre la mose qui a accompli le miracle. Dans ali kokoki sabika moi nyoso. Frère, ndeko, qui a mené à résistance le pou? Nanyango amemaki sili et monana na mboka. Ce n'est qu'un homme. C'est Dieu dans l'homme qui a changé l'eau en sang. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. C'est Dieu dans son serviteur. Quand vous regardez, vous allez voir l'homme. Frère Malam nous dit, c'est ce qui a tué Pharaon. Parce que Pharaon a regardé à l'extérieur. Il a vu l'homme. Et pourtant à l'intérieur, il y avait Dieu. En d'autres termes, il n'a pas reconnu Dieu dans la chair. Remarquez, il est descendu pour un but. Libérer Israël. Mais il choisit un homme. Et frère Branham dit, il a pris cet homme. Tout ce qui appartient à l'homme est devenu une possession de Dieu. Même les mouvements de Moïse, c'était Dieu. Et même si Moïse a baillé, c'était Dieu. En d'autres termes, Dieu s'est fait chair dans un homme pour accomplir la délivrance totale. Si vous croyez à cela, dites amen. Mais nous remarquons qu'après beaucoup de sanctions, les Égyptiens ont imité. L'imitation aura une fin.
Lorsqu'on a jeté le serpent, et aussi on produit le serpent. Mais il y a la différence entre le serpent de Moïse et le serpent des faux prophètes. Le serpent de Moïse a avalé. Le message de Frère Branham avale toutes les doctrines. Est-ce que je peux continuer? Lorsqu'il a changé l'eau en sang, et aussi on produit ça, on avance, on monte. Moïse crée le grenouille. Moïse produit le grenouille. Produit le grenouille. Le grenouille, Magorgodo. Ah, et aussi on fait ça. Lorsque Moïse crée le pou, ils ont essayé, ça ne donne pas. Ils ont dit à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. En d'autres termes, nous sommes limités maintenant. La dénomination peut nous suivre. À tout ce qui se passe. Mais à un certain moment, il y aura la différence. Je vais entendre un amen. Notre différence. Remarquez. La dénomination fait des miracles. La dénomination. On est témoignage. La dénomination chasse les démons. Nous aussi nous chassons les démons. Mais on avance. Mais lorsque nous arrivons au septième saut, c'est la frontière. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas rentrer dans le silence. Parce qu'ils n'ont pas un prophète. Je ne parle pas des prophètes de Binzambi. Mais je parle d'un prophète authentifié. Par la présence surnaturelle de la colonne de feu. Ils ne peuvent pas arriver là. Ils peuvent nous poursuivre. Mais lorsque nous arrivons, comme Frère Branham le dit, dans la matière de l'épouse, là ils ne peuvent plus. Parce que c'est le domaine de l'aigle. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous pouvez remarquer un charognard peut suivre l'aigle jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque on traverse le mur de sang, là il ne peut pas arriver là-bas. Parce qu'il faut avoir les ailes solides. Il faut être entraîné aux épreuves. Dieu a libéré Israël par la main puissante de Moïse. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant, parlons de Josué. Frère Branham a dit, pendant qu'ils étaient en train de marcher, chacun d'entre eux exprimait ce qui était dans son cœur. Chacun veut être le représentant. Chacun veut être le remplaçant de Moïse. Même Aaron, son frère. Ce n'est pas le problème de frère. C'est le problème de choix de Dieu. Dieu a un choix. Et donc, c'est lorsque Dieu choisit quelqu'un, peu importe l'opposition, peu importe les attaques, il atteindra le but pour lequel Dieu l'a établi. C'est pourquoi Dieu a retiré Aaron. Il a déplacé Corée. Il a déplacé Datan. Tous
tout ce qui pouvait faire obstacle à la commission de Josué, Dieu les a écartés. Pendant que Josué parle avec Dieu, Dieu dit à Josué, aujourd'hui je vais t'élever aux yeux de ce peuple et ils le verront que je suis avec toi. Je vais t'élever. Na kotombo la yo. Je vais t'élever. Na lingina tombo la yo. Et le peuple saura. Pe libota bakoyeba. Que je suis avec toi. Et razali longo na yo. Comme. Lokola. Lorsque nous disons comme. Tango tolobaka. Lokola. Ça veut dire de la même manière. Et c'est comme amen tabongo. Il n'y aura pas de différence. Bon que ce n'est qu'aux alate. Amen. Je na serai kozala avec toi elongo na yo comme lokola. Est-ce que c'est la vérité? Ezali solo. Je na koza Dieu nzambe je serai na kozala avec toi elongo na yo comme lokola. Quand on dit comme, ça veut dire de la même manière. Il n'y aura pas de différence. Ce que tu as vu avec Moïse, tu le verras avec toi. Allez, évoluons maintenant. Nous allons voir si c'est vrai. On va voir si c'est vrai. Israël sort de l'Égypte. Ils arrivent là, la mer rouge dit vous ne passez pas. Et Moïse, le peuple fait la pression. Et Moïse dit, je vais vers Dieu pour lui expliquer le problème. Dès que Moïse a voulu lui parler, Dieu dit, Moïse, pourquoi tu cries à moi? Mais parle! Loba! Pourquoi tu viens à moi? Parle! Loba! Parle! Loba, Mose! Frère! Deco! William Branham nous dit, William Branham nous dit, nous ne sommes plus au temps de crier. Tozali lisusu na tango ko ganga ganga te. Et il part même plus loin. Da kata mo mosika. Il dit en ce jour. Abi na mikolo yo. Nous devons passer de l'imposition de main à la parole prononcée. Pourquoi tu cries? Parle! Loba! Et toi aussi! Eyope! Pourquoi tu cries? Parle! Loba kaka! Frère! Pourquoi vous criez? Pourquoi vous gémissez? Pourquoi vous pleurez? L'ange puissant est descendu. Et aujourd'hui, il est dans l'épouse. Azali katila mosi na libala. Toi aussi parle. Yope loba. Pourquoi crier? Azali koganga pona nini? Parle. Loba. Cette parole. Ezali ce message. Sango oyo. A le pouvoir. Ezali na nguya. De créer. Yako kela. C'est la vérité. Ezali solo. Ce message. Sango oyo. A le pouvoir. Ezali na nguya. De créer. Yako kela. De créer Kokela. Là où il n'y a pas la chose. Si le message est en toi, parle. Loba. Alléluia. Amen. La mer rouge est divisée. Et le peuple est passé. Maintenant le temps de Josué arrive. Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Comme. Comme. J'étais avec Moïse. Et Josué, c'est le son de preuve, c'est le Jourdain. Alors Dieu doit prouver que ce qu'il a dit à Moïse, ce qu'il a dit à Josué, est la vérité. Comment traverser le Jourdain? Dieu dit à Josué, je vais te révéler comment traverser. Moïse a mis le bâton.
Mais toi, je te donne une autre tactique. Prenez les sacrificateurs qui portent l'arche. Mettez-les en première place. Et que tout le peuple derrière. Mettez le peuple derrière. Laissez la parole en première position. Frère, lorsque le réveil est descendu en 206, j'ai vu les prédicateurs venir de l'Est, de l'Ouest, pour venir chercher le réveil. Le passé Barout, il les a imposé les mains. Les uns sont partis, leurs églises enflammées. Les autres sont partis, il n'y avait rien. Pourquoi? Nous devons savoir d'abord qui est en première place dans ton église. Lorsque vous mettez Branham en première place, Dieu n'agira pas. C'est pourquoi Élie doit rétablir l'autel. C'est pourquoi Élie a dit Dieu d'Abraham. Élie n'a pas dit Abraham. Élie n'a pas dit Jacob. Élie a dit Dieu d'Abraham. Dieu de Jacob. Dieu d'Israël. Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Voilà la divinité rétablie. Si on ne donne pas la première place à Dieu, cette église n'aura pas le réveil. C'est pourquoi tous ceux qui cherchent le réveil, redressez votre doctrine. Ramenez Jésus-Christ dans le chandelier. Et lorsque le passé Barouti va t'imposer les mains, vous aurez le feu. Il faut casser, détruire tout ce qui est contraire à la parole. Tout ce qui est contraire à la parole. Le Saint-Esprit descendra. Remarquez, frère. Josué a mis l'arche en premier. Lorsque les porteurs de l'arche ont posé les plans de pied sur le Jourdain, le Jourdain a reconnu la commission. Le Jourdain s'est retiré. Et le Dieu qui était avec Moïse s'est matérialisé dans Josué. Et fait pendant qu'ils ont traversé, afin d'entrer dans le pays de promesse, le prophète dit Josué doit d'abord circoncire le peuple. On doit circoncire tous ceux qui sont nés dans le désert, qui n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. S'il n'y a pas la circoncision, le peuple n'arriverait pas à l'adoption. Je crois que Dieu nous a appelés à l'adoption. C'est ça la finalité de la vie d'un chrétien. Le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un passage pour arriver à quelque chose. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne serez pas adopté. Et frère Branham dit, lorsque vous arrivez à l'adoption, alors vous prenez la place de Dieu. Et prenant pas plus loin, vous allez partager le puissant de Dieu avec toi. Et vous devenez un écouteur. Écoutez quelque chose. Le chef d'œuvre
Paragraphe 136. Molongo kama atumisa tola motoba. Ça va nous dire remarquer ici. Botala awa. La vie qui était dans la balle. Bon moyen zali kati na poso. Dans la tige. Kati na mobimbi. Dans les graines. Kati na fololo. Dans la balle. Kati na poso. Tout ça se rassemble dans la semence. Nyoso wana esangane komi kati na mbuma. Et la vie qui était dans la tige a servi l'une, a servi à former l'autre. Ben bon moyen zali kati na mobimbi et sunga ki pona kosala mosusu. Suivez maintenant ceci. Bon landasiko oyo. La justification. Kolongi sama. A ouvert la voie à la sanctification. Afungola kinzela na kobuli sama. La sanctification. Kobuli sama. A ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Et pesa kinzela na libati ya Molimo Mosantu. Suivez ceci. Bolanda oyo. Le baptême du Saint-Esprit. Libati si la Molimo Mosantu. A ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Et pesa kinzela na Molimo Mosantu yemoko. C'est là où nous nous retrouvons maintenant. Et si ato kutani sikonde yango wana. Le temps de toutes ces petites choses s'est passé. Maintenant nous sommes en contact avec Dieu lui-même. Je ne sais pas si on peut dire amen. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, la présence de Dieu lui-même dans son église, ça dépasse le baptême du Saint-Esprit. Non, je n'ai pas entendu les amen. C'est pourquoi Josué, lorsqu'il veut rentrer, un homme descend. Et il va à la bataille. Josué a dit, tout ce qui bouge, je tue. Tout ce qui bouge va mourir. Remarquez. Un homme est devant lui. Quand Josué le regarde, et toi, yo, tu es de notre, ou bien tu es de l'ennemi. En d'autres termes, l'ange doit montrer de quel côté il se trouve. Moi, je sais que tu es de quel côté? Josué. Josué, Josué, remets ton épée. Zongi sa mopanga na yo. Moi là, ngai ndenga moni boy. Je suis le chef. Nazali mokonzi de l'armée de l'Éternel. Ya mapinga na Yahweh. Dieu a une armée. Nzamba zalaka na mapinga. Dieu a des officiers. Nzamba zali ba konzi na ba soldats. Dieu a des généraux. Nzamba zali ba généraux. Est-ce qu'on peut dire amen? Oki ko amen. Alors Josué dit, bon yo salobi. Qu'est-ce que mon Seigneur? Kolo na ngai. Fait dire à son serviteur. Et pas na Dieu dit, Zambalobi, Jéricho. Omani Jéricho. Regardez comment c'est barricadé. Talandenge et tongami na bitutu minene minene. Pour entrer là-bas. Bona kokota kuna. Ça là. Kuna. Ce sont les sceaux. Ezalinde bilembo. Et pour rentrer là-bas. Et pas na kokota kuna. Il y a une manière. On ne rentre pas pour rentrer. Il faut rentrer selon l'ordre de Dieu. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est plus par la force de l'armée que tu vas pénétrer là-bas. Et je te donne le tactique. Premier tour. Frère, Bandeko, les gens qui regardaient Josué, ils pensaient qu'ils étaient en train de faire un tour inutile. Alors que l'armée d'Israël et Josué sont en train de rentrer dans le cycle de Dieu. Et quand ils ont fini de faire le tour, le septième jour, Mokolo ya Sambo, ils ont fait le tour, ba zunguluki, cette fois, Mbala Sambo, et ils ont poussé le cri. Esiko ba gangi, les murs de Jéricho, bitutu na Yeliko, sont tombés sans combat. E kwe ya ki kozanga te ba bunda. Pourquoi? Pona nini? Parce que l'ange est descendu. Pote mwange akitaki. Le même ange qui est descendu là-bas en 206, qui a été photographié, c'est le même ange qui est ici. Et nous remercions Dieu. Il s'est servi
un homme, Amizueli Motomoko, le pasteur Baruti, Mokengeli Baruti, pour être le père du réveil congolais. Pour être Azala Tata na Kola Muka, ya Congo. Et à partir du Congo, Congo, il devient le père du réveil mondial. A komi tata na bola muki ya mokili mobimba. Parce que Frère Branham dit que le réveil, c'est Dieu qui agit en puissance. Il dit, vous n'aurez pas le réveil si vous ne retournez pas à la parole. C'est pourquoi le pasteur a prêché. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit est donné? Comment le recevoir? Qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Comment savoir si vous l'avez? Mais c'est ça le plan? C'est ça le plan de la construction. Et lorsqu'il a prié, le Saint-Esprit est descendu. Je l'ai imité au Gabon. Exactement comme ça. Dieu est descendu. Je viens de le faire à Port-Gentil. Dieu m'est témoin. J'ai trouvé un enfant qui était SS. Je lui ai imposé les mains. Il est allé faire les examens. Il est devenu AA. A commis AA. Amen. C'est fort. Ça, c'est une création. Non, je vais entendre votre maître. Le réveil a un homme qui l'amène. Et si vous êtes derrière, c'est lui qui a amené le réveil. Vous aurez le réveil. C'est la vérité. On m'a amené un enfant qui a la tête comme ça. On voudrait l'amener pour aller l'opérer. J'ai dit, notre Dieu est miraculeux. J'ai pris mes deux mains. J'ai touché sa tête. J'ai prié. Après une semaine, la tête est redevenue normale. Je vais entendre votre alléluia. Et cette couronne. Nous remettons ça à Baruti. Dites amen. Amen. Je suis allé au Ghana. Les gens que j'ai trouvés là-bas, ils parlent en anglais. Ils me disent, nous attendons Baruti. Nous attendons Baruti. Je les ai dit, Baruti is here. Je leur ai dit que Baruti est ici. Et vous allez voir le Dieu de Baruti. Nzambe na Baruti. On a amené une femme. Ba memi mwasi moko. La jambe est comme ça. Tala lokolo monene, la jambe est comme ça. On l'a soulevé. Je suis arrivé devant elle. Le Dieu de Baruti. J'impose les mains sur la dame. Je veux qu'elle soit guérie. Dieu me témoigne. On l'a lâché. Il a fait un pas. Deux pas. Il a commencé à courir. Dites amen. Amen. Je peux entendre vos alléluia. Je suis arrivé en Guinée. En Guinée équatoriale. C'est là que j'ai expérimenté le Dieu de Baruti. Je dis Seigneur. Je suis devant 4 à 5 paralytiques. Je dis maintenant. Tu dois prouver que tu es de mon côté. Je dis, vous attendez le passé Baruti? Baruti aussi a des représentants. Baruti Bazaline. Il a des représentants. Vous allez le voir aujourd'hui. Et je les ai dit.
Dieu fera un miracle extraordinaire ici en Guinée. Et vous saurez que le Dieu du passé Barout est vrai. Les paralytiques étaient là. Je suis arrivé devant elle. Je dis, madame, moi, je crois que tu peux marcher maintenant. Si tu crois, donne-moi le béquille. Elle a pris le béquille. Elle m'a remis. Je lui ai dit, allez, marche. Elle a marché. Les pieds, redressés sur le champ. Lorsque les autres ont vu le miracle, chacun a pris sa béquille. Prenez. J'ai dit, allez, marche. Il a commencé à marcher. L'autre est venu. Prenez. Marche. Ils ont commencé à marcher. Le réveil de Rikini est vrai. La colonne de feu qui est descendue ici est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Acclamez encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le vrai réveil ici. Et je sais que ce réveil, c'est toi aussi. C'est ce que le pasteur nous a dit ici. Quand on pose la question, le réveil de Rigini, c'est moi. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Je crois que vous avez aimé la prédication, non? Que Dieu bénisse le reverra. Maintenant, nous continuons.